Salut, bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, un nouveau match de foot. Vous avez raison d'être là. Au commentaire, Hervé Matou. Vous m'avez reconnu. Aujourd'hui, on va braquer les projecteurs sur la première ligue anglaise. Aston Villa contre Newcastle. Match s'annonce passionnant. Allez, on va se régaler, j'en suis certain. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. C'est un 4-4-2 en losange qui a été choisi. Avec un milieu axial, une pointe basse qui aura beaucoup de choses à faire au milieu. Les 11 titulaires pour Newcastle aujourd'hui. L'équipe va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Bamba. Matt Target. Kieran Trippier. Matt Target. Il faut trouver une ouverture. Attention à ne pas trop se faire chahuter dans la surface. Ah, il est bien parti ce corner. Et Bukadi, ni éloigne ni le danger. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Le jeu qui se poursuit malgré ce tacle, l'avantage. McGinn, elle est peut-être une bonne occasion. On serve la balle en attendant un petit peu de solution, de soutien. Au centre, il y a du monde. Ah, il l'avait juste au-dessus de sa barre. Bien joué le gardien du bout des doigts. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Newcastle. Très appliqué. Coutinho sur ce corner. Un corner qui ne donnera rien. Emmanuel Denis, il doit aller seul. Ballon perdu. Le ballon est perdu. Amadou Diawara. Nicolas Pépé. Oh, il est passé. Ah non, ce sera une sortie de but. Un jeune joueur qui va donc jouer sous le maillot de Tottenham dans les semaines qui viennent. La formation est désormais confirmée. Une transaction qui a mis fin donc à une longue période de prospection, de supervision. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que ses qualités n'aient pas laissé insensible le club acquéreur. Amadou Diawara. Pépé. Emmanuel Denis. La passe est trop appuyée. Ça ne donnera rien. Le tir. Ah oui, le réflexe. Magnifique dans les buts.
Super arrêt. Ouais, bien tiré ce corner. Ouais, mauvais dégagement là, attention. Et le gardien qui remporte son duel. Digne. Oh quel arrêt! Oh quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Coutinho pour un partenaire dans la surface. Bien récupéré, bien joué. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Le ballon qui change de position. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Sanson. Cadine. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Le 2. Amadou Diawara. Ce ballon en profondeur, il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Le tir, ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Allez, faut centrer vite. Le jeu qui revient dans l'axe. Coutinho. Et le but. Le premier but dans cette partie. Il est bien placé. Il a mérite d'être là au bon moment. C'est ce qu'on lui demande. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. On voit mal comment cette équipe pourrait revenir au score si elle ne bouscule pas un petit peu plus la défense adverse. Il y a une vraie difficulté à se montrer dangereux. Faute, mais l'arbitre. Ah, il va avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup. Non, pas une position. Ouais, le gardien qui se saisit bien de ce ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. Ah, ils ont toute l'aile qui est complètement libre. Action d'Aston Villa. Centre peut-être, allez. Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. Matt Target. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Et on va jouer 2 minutes de plus. Il aurait mis ça. Un petit peu de soutien autour de lui. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et c'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Eh oui, c'est une main. Et c'est un penalty. Par le gardien sur ce penalty. Pour revenir au score peut-être.
Le gardien qui repousse, attention. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. C'est pas sifflé là. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. C'est finalement un ballon perdu. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Allez, ils peuvent égaliser là. Frappe contrée. L'égalisation. Cette équipe qui même réduite à 10 ne s'est pas découragée. Elle est récompensée, elle revient à la hauteur de son adversaire. C'est clair que quand ils se sont retrouvés en infériorité numérique, on ne voyait pas trop comment l'équipe pouvait réagir. Mais ça a ressoudé l'équipe au point d'égaliser. Des nouvelles de Manchester. On va aller tout de suite à l'Etihad Stadium. Est-ce qu'il y a eu un but? Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Manchester City. Ça fait donc un but partout après 49 minutes de jeu, Hervé. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Ouais, il arrive le gardien sans souci. Ça ne s'arrête pas une seconde hein, dans ce match. Regardez les stats. C'est sûr que c'est à la fois indécis et très plaisant à regarder, vraiment. Pressing pour mettre le porteur en difficulté. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ça n'ira pas plus loin. Kieran Trippier. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Coutinho. Il conserve le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et le ballon qui change de camp. Un ballon qui est donné en profondeur. Ça reste dangereux, mais il y a quand même du monde. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Il y avait des supporters qui ont senti que c'était une bonne intervention pleine d'autorité sur ce corner. Attendez, on suit également ce qui se passe à l'Etihad Stadium. Il y a eu un but à Manchester. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Manchester City. Un but marqué par Luka Jovic après une grossière erreur de la défense. On en est donc à 2-1 alors que le match a débuté il y a 63 minutes. Ok, c'est bien noté. Mais la magnifique intervention d'André Onana. Coutinho pour un partenaire dans la surface. Premier sur ce corner. Le centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Allez, le ballon qui est dégagé. Adversaire qui hérite de ce ballon. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Avec Salah Gradel. Le centre en retrait.
Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. Et la voilà la frappe. Et la bonne claquette du gardien. Sanson. Attention, ça peut être dangereux. Amadou Diawara. Le ballon par-dessus. Est-ce qu'il va centrer? Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Coutinho. Douglas Luiz. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Il va y avoir un changement. Corner en direction du point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Et la faute de main signalée par l'arbitre. Ça va donner un coup franc dangereux, ça. Oh, sur la barre. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Oula, je ne presse pas pour venir défendre. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Stade qui est très chaud. Tout le monde a compris que le prochain but serait certainement celui de la victoire. Ballon pour Digne. On centre dans la surface. La reprise de la tête et ce n'est pas cadré. Profondeur qui va filer jusqu'au gardien. Ah, c'est un moment décisif, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps. L'ouverture. Attention à ce corner, c'est le moment de prendre les devants au tableau d'affichage. Ça passe largement hors cadre. Manuel Denis. Et le couloir qui est dégagé là pour les joueurs de Newcastle. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Attention à ce corner de Fraser. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon.